le hasard que, d'une façon générale, règne en apparence à la surface. Ce n'est que rarement que se réalise le dessein voulu. Dans la majorité des cas, les nombreux buts poursuivis s'entrecroisent et se contredisent. Il serait assez fou, en effet, pour se laisser séduire par des choses aussi futiles que les honneurs. Dans la nature, dans la mesure où nous laissons de côté la réaction exercée sur elle par les hommes, ce sont uniquement des facteurs inconscients et aveugles qui agissent les uns sur les autres, et c'est dans leur jeu changeant que se manifeste la loi générale. De tout ce qui produit, des innombrables hasards apparents, visibles à la surface comme des résultats finaux qui confirment la norme à l'intérieur de ces hasards, rien ne se produit en tant que but conscient, voulu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rendre amour pour amour.